Salut à tous, je vous avoue, après avoir réalisé un fabuleux pain au beurre ces derniers jours, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication de biscuits au chocolat. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. En attendant, pour ce numéro 9 du souhait déconfiné, je vous propose de partir à la rencontre de Émile Laurent, à tout juste 21 ans, elle fait partie des grands espoirs du football français. Donc c'est parti pour ce numéro 9 du souhait déconfiné. Salut à tous, du coup c'est Emeline Laurent, joueuse de l'Olympique Lyonnais en prêt au FCGB Girondin de Bordeaux. Le confinement pour moi il se passe plutôt bien, je suis en Martinique avec ma famille, je fais pas mal d'activités avec eux. Vous connaissez Cyrilla Williams et vous allez connaître bientôt Emeline Williams. Malheureusement pour nous, le championnat est terminé, donc on finit troisième, c'est une très belle place. Du coup, on est un peu quand même frustrés parce que voilà, on était sur une très bonne lancée, on allait rencontrer le PSG et Montpellier Hero, donc des gros clubs et tout. Le PSG deux fois en Coupe de France aussi, donc on aurait pu carrément aller en finale. Et puis voilà, jouer pour gagner un titre cette saison. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Notre préparateur nous a donné un programme à effectuer, donc c'est un programme hebdomadaire. Franchement, je le suis comme ça. Moi, par exemple, c'est vrai que je commande mes courses sur Internet en général. Là, j'avais commandé 4 pommes. Et le livreur, il est venu, il m'a donné au moins 6 sachets de pommes. Et du coup, je peux vous dire que j'étais là avec plus ou moins 40 pommes. Il sait pas trop comment faire, donc j'ai fait crumble, tarte, plein de trucs aux pommes. Au final, j'ai jamais pu vraiment écouler des 40 pommes. J'ai donné ça à mes potes, qui eux aussi ont dû faire crumble, tarte, plein de trucs. Je suis même arrivée en Martinique avec des pommes pour donner à mes parents. Ah, ça c'est bon. Et j'ai refait une tarte aux pommes. Concernant la Samaritaine, puisque la ville, malheureusement, faut pas, il y a eu un litige apparemment, donc pour l'instant ils sont pas en sacré champion alors qu'ils sont finis premiers. C'est étrange, mais en tout cas, dans mon cœur, je sais qu'ils ont gagné, c'est le principal. Allez la Samar. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, surtout abonne-toi et active la cloche.